Les petits bouts de moi me survivront. L'intérieur de toi à l'occasion. Un petit bout de foie ou de poumon. Des petits bouts de moi me survivront. Le jour où ma carcasse sera à la casse, je te refilerai pour pièce ce qu'il en reste. Plutôt que de les cramer, pas mes HS, ils viendront te filer une seconde jeunesse. S'ils peuvent rafistoler tes pépins avec un bout de mon cœur, un bout de mon rein. S'ils peuvent te bricoler un sourire et te dessiner un plus bel avenir. Des petits bouts de moi me survivront à l'intérieur de toi à l'occasion. Un petit bout de foie ou de poumon. Des petits bouts de moi me survivront. Si un soir de flotte tu tombes en rade, tu peux compter sur ton pote si ça se dégrade. Je vais pas te laisser en plan sur le bas-côté. Je peux le faire dès maintenant. En deux temps, trois mouvements, ce sera ficelé. Pour moi, ça mange pas de pain. Et pour toi, c'est tout l'or de la terre. Alors t'inquiète, on sera pas loin. Si tu te retrouves en galère, alors je préfère te le dire avant que je m'en aille. Tu peux aller te servir dans mes entrailles. Des petits bouts de moi me survivront à l'intérieur de toi à l'occasion. Ça se passe très bien jusque-là. Donc beaucoup de participants, des transplantés de cœur, de foie, de rein, de moelle osseuse, donc toutes sortes de participants qui vont venir à l'Épinal pour s'affronter amicalement dans 12 disciplines. Donc quand je dis amicalement, évidemment, l'enjeu, même s'il y a beaucoup de médailles qui sont distribuées, l'enjeu c'est évidemment de faire de son mieux, après des phases de maladie, après, voilà, on est en pleine reconquête d'une activité physique, d'une intégrité physique, et donc l'enjeu pour la plupart c'est bien sûr d'être là, d'être présent avec leur joie de vivre et leur désir de reconquérir une place normale dans la société. Et ça a l'air de bien démarrer parce qu'on sent bien qu'il y a un engouement de beaucoup de gens, de beaucoup de gens d'Épinal, beaucoup de personnes qui ont envie de parler de dons d'organes, qui se questionnent, qui ont besoin d'informations. Donc on sent qu'à travers les jeux, mais à travers aussi les événements extrasportifs qui sont organisés dans le cadre des jeux, on va réussir l'objectif qui est de sensibiliser un maximum le public aux enjeux du don d'organes.
Ah, c'est différent pour, C'est différent. Ouais. Là, un effort comme ça, ce que vous venez de faire, vous le sentez? Oui, bien sûr, oui. Bon. Puis le cœur accélère plus lentement au départ, au début de l'effort que les autres, parce qu'il manque, j'ai plus le système nerveux sympathique et parasympathique. Du coup, c'est l'adrénaline qui fait accélérer mon cœur. Alors, ça met au moins 10 minutes, un quart d'heure jusqu'à ce qu'il se mette à accélérer. Du coup, entre-temps, je souffle parce que j'oxygène pas assez les muscles. C'est de participer. Bravo. Dans la joie et la bonne humeur, c'est un hommage chaleureux que nous rendons.